Monsieur et supérieur des forces armées et de la police nationale. Mesdames et messieurs les membres du bureau de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa. Monsieur le gouverneur, merci la fusion, commandant. Province de Kinshasa. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Monsieur, conformément aux dispositions des articles 115 de la Constitution et 64 de son règlement intérieur, l'Assemblée nationale ouvre ce mardi 15 mars sa première session ordinaire de l'an 2022. Au nom des honorables députés nationaux du bureau de l'Assemblée nationale et en mien propre, je souhaite une cordiale et chaleureuse bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui ont accepté d'honorer l'Assemblée nationale en rehaussant de leur présence cette cérémonie de rentrée parlementaire. Dès l'entente de mon propos de ce jour, je voudrais rappeler à l'auguste Assemblée, ainsi qu'à nos distingués invités, que la République démocratique du Congo a été frappée par plusieurs événements malheureux ayant semé la mort et la désolation parmi nos compatriotes. Il s'agit notamment des actes de barbarie dont les populations de plusieurs contrées de la République continue à être victime, et en particulier nos compatriotes de l'Ituri et du Nord Kivu, victimes de nombreuses atrocités perpétrées par des groupes terroristes, des ADEF et autres groupes armés opérant dans la partie est de la République. La mort a également arraché à notre affection notre collègue Charlotte Massiala Foba, élue de la circonscription électorale de Kinshasa, Lukunga. Je me dois également de signaler le décès de M. Mutongo Akombe Emmanuel, Numbi Mulengwa Jean-Pierre, Kwete Ngoloshanga et Lieta Wawina Gilles, et de Madame Ntumba Chibambe Lucie, tous agents de l'administration de l'Assemblée nationale. La mort n'a pas non plus épargné nombreux de nos compatriotes victimes de la COVID-19, ceux électrocutés au marché de Matadi Kibala à Kinshasa, de bien d'autres victimes de toutes sortes de maladies, calamités, naufrages et accidents ferroviaires et routiers. Nos pensées vont également à nos forces armées et de sécurité qui assurent jour et nuit, au prix de leur propre vie, la sécurité de nos frontières et la défense de l'intégrité du territoire national face aux menaces internes et externes et autres velléités terroristes et expansionniste.
au nom des honorables députés nationaux, du bureau de l'Assemblée nationale et en mien propre, j'adresse les condoléances les plus attristées et toute notre solidarité aux familles éplorées. En mémoire de tous ses compatriotes, députés nationaux, civils, policiers et militaires décédés, j'invite solennellement l'auguste assemblée ainsi que nos distingués invités à observer une minute de silence. Je vous remercie. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, la présente session s'ouvre dans un contexte sécuritaire, politique, diplomatique, économique, sanitaire, social et environnemental particulier. Comme vous le savez, sur le plan sécuritaire, l'Est de la République démocratique du Congo est toujours en proie à un activiste de groupes armés nationaux et étrangers, dont le groupe terroriste des ADEF, les M23 et autres, qui continuent à semer la mort et à se livrer à de graves violations des droits humains parmi les populations civiles, ainsi qu'au pillage de nos ressources naturelles. C'est pour cette raison que, par ordonnance présidentielle du 3 mai 2021, Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale, avait décidé de placer les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu sous le régime de l'État de siège. Je ne peux passer sous silence d'autres actes d'insécurité signalés dans les provinces du Sud Kivu et de Tanganyika, ainsi que quelques actes isolés de criminalité et de banditisme dans certaines grandes villes de notre pays. Tout en saluant l'action menée par nos forces armées de sécurité, j'invite le gouvernement de la République à tout mettre en œuvre pour doter ces dernières davantage de moyens matériels et logistiques en vue de faire face aux défis sécuritaires, de préserver l'intégrité du territoire national et d'assurer la protection de nos paisibles citoyens. À ces propos, permettez-moi de rappeler au gouvernement qu'avec l'appui de nos partenaires, la République démocratique du Congo avait entrepris depuis 2008 des réformes du secteur de la défense et de la sécurité. Ces réformes avaient abouti à l'adoption par le Parlement et la promulgation notamment de la loi numéro 11/013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement des forces armées et de la loi numéro 13/005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. Je constate qu'à ce jour, une importante étape de cette réforme n'est toujours pas parachevée. Il s'agit
de la loi de programmation militaire. Afin de parachever le processus de ces réformes, j'exhorte le gouvernement de la République d'accélérer l'adoption et le dépôt au bureau de l'Assemblée nationale du projet de loi de programmation militaire afin de doter nos forces armées de moyens financiers, matériels et logistiques susceptibles de les permettre d'accomplir avec efficacité et bravoure les lourdes missions que leur assigne la Constitution, ainsi que de faire face aux menaces sécuritaires internes et externes de notre pays. À ces propos, certains d'entre vous l'ont sûrement remarqué. L'Assemblée nationale accueille sur son hall principal une exposition de photos dédiée à nos vaillants militaires dans le cadre de la campagne Bendele et Kouyaté. Une manière pour nous exprimer notre soutien indéfectible à nos forces armées. Je vous invite au sortir d'ici à y jeter un regard. Je ne peux passer sous silence la détresse de nos compatriotes du Nord Kivu, victimes de la dernière éruption volcanique de Nyiragongo du 22 mai 2021, dont nombreux sont toujours dépourvus de domicile et actuellement en situation alimentaire et sociale précaire. J'exhorte ardemment le gouvernement de la République à tout mettre en œuvre pour continuer à leur apporter l'assistance que requiert leur situation. D'ores et déjà, nous saluons l'action diplomatique actuellement menée par le président de la République, chef de l'État, Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de l'amélioration de la situation sécuritaire et de l'éradication de l'activisme de groupes armés et terroristes à l'est du pays. La dernière visite à Kinshasa du président de la Turquie, Son Excellence M. Recep Tayyip Erdogan, avec la signature de quelques accords de coopération, notamment dans les domaines de la défense, de la sécurité et des finances, ainsi que celle de M. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des opérations de maintien de la paix, rentre dans le cadre des initiatives diplomatiques en faveur de la paix et de la sécurité en République démocratique du Congo. Il en est de même de la tenue en février à Kinshasa de la 10e réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région de Grand Lac. J'ai saisi cette occasion pour réitérer nos sincères félicitations à Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le succès de cet événement et la confiance que ses pairs de la région viennent de lui témoigner en lui confiant la présidence du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba et la présidence en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, sur le plan politique,
Les débats politiques restent focalisés sur la feuille de route du processus électoral 2021-2027, tel qu'est publié le 3 février 2022 par la Commission électorale nationale indépendante, ainsi que les contraintes sécuritaires, financières et techniques y afférentes, qui risquent de porter un coup au calendrier du prochain cycle électoral prévu en 2023. Sans doute, ces débats risquent de s'inviter à l'Assemblée nationale, où seront examinés au cours de cette session, d'une part, la proposition de loi modifiant et complétant la loi électorale, et d'autre part, les rapports annuels de la CENI en application de l'article 28 de sa loi organique. Eu égard aux impératifs qui entourent la tenue d'un processus électoral crédible et apaisé, j'exhorte les institutions et autres structures au respect de l'indépendance de la CENI, de son autonomie administrative et financière, ainsi que la loi organique qui lui confère, et de contribuer aux efforts tendant à lever tout obstacle sécuritaire et financier susceptible d'avoir un impact sur l'organisation du processus électoral prévu en 2023. Sur le plan social, j'encourage le gouvernement à procéder au paiement des arriérés de frais pour les TENAFEP 2019-2020 et 2020-2021, dont les prestataires attendent impatiemment, au risque d'hypothéquer les épreuves de l'année en cours, et au paiement du 12e palier et de nouvelles unités de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Au chapitre sanitaire, je salue les mesures prises par le gouvernement et encourage la population à continuer à observer les gestes barrières en vue de contenir la propagation de la COVID-19. J'ai saisi cette occasion pour attirer l'attention de notre gouvernement sur le fait que la gestion de la COVID-19 ne doit nullement occulter les mesures nécessaires à prendre pour éradiquer les autres maladies émergentes en République démocratique du Congo. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, sur le plan environnemental, la présente session s'ouvre au lendemain de la publication, le 28 février 2022, du dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat consacré au changement climatique, impact, adaptation et vulnérabilité. Ces rapports montrent que les changements climatiques dus aux activités humaines provoquent des perturbations dangereuses et généralisées des écosystèmes et affectent la vie des milliards de personnes dans le monde. Malgré les efforts déployés pour réduire les risques, ces rapports alertent sur le fait que le monde sera, au cours des deux prochaines décennies, confronté à de multiples aléas climatiques, avec un réchauffement planétaire
de 1,5 degré Celsius. Il avertit que le dépassement, même temporaire, d'un tel niveau de réchauffement entraînera des conséquences supplémentaires dont certaines seront irréversibles. Il lance un avertissement sérieux sur les conséquences de l'inaction. Dans le but de sensibiliser les parlementaires sur ce sujet brûlant et à l'occasion de la 144e session de son Assemblée prévue ce mois, du 20 au 24 mars 2022, en Indonésie, l'Union interparlementaire a retenu les thèmes du débat général intitulé « Mobiliser les parlements pour agir face au changement climatique ». Voilà pourquoi le Parlement congolais devra, dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles, agir afin de pousser les institutions de la République à plus d'initiatives en vue de prendre des mesures idoines face aux effets du réchauffement de notre planète. Je ne peux terminer ce chapitre du contexte dans lequel s'ouvre la présente session sans aborder brièvement les volets sécuritaires alimentaires. Qui du reste, un des sujets préoccupants dans le contexte sécuritaire et de la COVID-19. En effet, selon le rapport de la FAO sur les perspectives des récoltes et situation alimentaire, publié en juillet 2021, 45 pays à l'échelle planétaire, dont 34 en Afrique, continuent d'avoir besoin d'une aide alimentaire extérieure. Les conflits et les déplacements des populations, ainsi que les chocs climatiques, notamment les prévisions pluviométrique peu favorable en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale demeure les facteurs critiques qui compromettent les perspectives de production et contribuent au taux actuellement élevé d'insécurité alimentaire. Selon les dernières analyses du cadre intégré des classifications alimentaires, datant de mars 2021, beaucoup de personnes en République démocratique du Congo étaient estimées en situation d'insécurité alimentaire entre février et juillet 2021. Cela s'explique par des graves répercussions de la COVID-19 sur l'économie nationale et par le contexte sécuritaire en cours, notamment dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu, qui a provoqué le déplacement de nombreux compatriotes et à précarité des ménages confrontés à un accès très difficile à la nourriture. Il en est de même des déplacements massifs des populations à la suite de l'éruption en mai 2020, du volcan Nyiragongo. Au regard de ces contextes, j'exhorte encore une fois de plus le gouvernement de la République à mettre en œuvre les obligations que lui imposent les dispositions des articles 47 et 52 de la Constitution, de garantir le droit à la paix et à la sécurité des Congolais et de leur assurer la sécurité alimentaire. Je l'exhorte également à mettre en œuvre les mesures d'atténuation des effets des changements climatiques
ou d'adaptation à leurs effets conformément aux engagements pris par notre pays dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, avant l'ouverture de la présente session, j'ai eu le privilège d'échanger avec les honorables députés nationaux de retour des vacances parlementaires et d'autres compatriotes. Il ressort de ces échanges que le débat politique tel qu'il est mené est loin d'aborder les préoccupations des Congolais. Les Congolais attendent de leurs élus l'examen et l'adoption de lois et le contrôle parlementaire sur des sujets qui ont un impact réel et le contrôle parlementaire sur des sujets qui ont un impact réel sur leur vécu quotidien, leur sécurité et leur social. En effet, nos compatriotes, dont la grande majorité, est encore confrontée aux besoins existentiels, se préoccupent plus des problèmes liés à la santé, à l'éducation, à la sécurité, à la qualité des infrastructures de base, à la sécurité alimentaire, à l'accès à l'eau potable et à l'électricité, au respect des droits humains et à la lutte contre la corruption. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, après ce survol rapide du contexte politique, sécuritaire, économique, social et environnemental, je rappelle que la principale mission du Parlement est de légiférer et de contrôler l'action du gouvernement, des entreprises, établissements et services publics. En effet, la session ordinaire qui s'ouvre ce jour aura un agenda législatif très chargé au regard de nombreux projets et propositions de loi déposées au bureau de l'Assemblée nationale, déjà déclarées recevables et en cours d'examen en commission ou en état d'être programmées en plénière pour débat général. En attendant l'adoption par la conférence des présidents de l'avant-projet du calendrier de cette session, je rappelle qu'au cours de nos sessions ordinaires de mars et septembre 2021, l'Auguste Assemblée avait jugé recevable et envoyé en commission compétente pour examen approfondi les projets et les propositions de loi destinées à l'amélioration de la gouvernance économique, sociale, territoriale, du climat des affaires et de la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Il s'agit notamment proposition de loi modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal en vue du renforcement
du dispositif de lutte contre la corruption. Proposition de loi modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal destiné à déterminer les peines applicables aux infractions prévues par les actes uniformes de l'OADA. Trois propositions de loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Quatre propositions de loi relatives à l'aménagement du territoire. Projet de loi plutôt, relative à l'aménagement du territoire. 5. Proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 002/2001 du 3 juillet 2001, création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce. 6. Proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre des ingénieurs agronomes en République démocratique du Congo. Proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des sages-femmes. 8. Proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des géologues. 9. Proposition de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire. En vue de permettre à notre Chambre de parachever le processus législatif de ces textes, j'invite instamment les commissions concernées à respecter les délais qui leur étaient accordés pour finaliser leurs examens et à déposer rapidement les rapports y relatifs. Concernant l'agenda de la présente session ordinaire, je me dois de rappeler au gouvernement de la République les exigences de l'article 84 de la loi relative aux finances publiques, libellée comme suit. Je cite, les projets de loi portant reddition de comptes du dernier exercice clos, y compris les documents prévus aux articles 81 et 82, point 1 et 2, de la dite loi est déposée à l'Assemblée nationale au plus tard le 15 mai de l'année suivante, celle de l'exécution du budget auquel il se rapporte. Dans l'impossible de respecter ces délais, le projet de loi portant reddition des comptes ainsi que les rapports de la Cour des comptes visé au point 3 de l'article
l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes ou la sécurité alimentaire afin de résorber le chômage et le sous-emploi, tout en favorisant la promotion d'une classe moyenne congolaise et le développement de l'agro-industrie. En attendant le dépôt des initiatives législatives dans ces domaines et en application des dispositions de l'article 60 de notre règlement intérieur, le bureau va insister à la conférence des présidents l'avant-projet de calendrier de nos travaux de la présente session. À présent, permettez-moi de passer en revue quelques initiatives législatives devant figurer à notre calendrier de travaux au titre d'arriéré législatif, notamment la poursuite de la réforme électorale, de la sécurité alimentaire, de la protection et de la promotion des droits de l'homme et des libertés publiques, de l'amélioration de la d'améliorer ainsi que la lutte contre la corruption. Chers collègues, et à l'entame de mon propos et conformément à la feuille de route publiée par la CENI, les Congolais attendent de leurs élus un agenda législatif susceptible d'élever les obstacles juridiques à la tenue des élections prévues en 2023. Nous examinerons avec diligence les textes ayant trait aux réformes électorales en vue d'offrir au pays un processus électoral libre, inclusif et transparent, et de respecter les délais constitutionnels. Une des priorités est d'examiner et d'adopter la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006, tel que modifié par la loi numéro 11/003 du 26 juin 2011, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. Je plaide pour que cette loi puisse prévoir des dispositions susceptibles de promouvoir plus de transparence et d'inclusivité et d'encourager une large participation des femmes et des jeunes au prochain cycle électoral, étant donné que ces deux catégories représentent près de 70% du corps électoral. Que la femme congolaise célébrant durant ce mois de mars soit rassurée au soutien de la représentation nationale dans sa lutte pour la mise en œuvre effective des dispositions constitutionnelles relatives à la parité homme-femme. L'adoption de cette loi permettra ainsi à notre Chambre de lever une des contraintes prévues par la feuille de route du processus électoral publié par la CENI. Il reviendra au gouvernement et à nos partenaires de faire chacun sa part dans le financement et l'accompagnement
du processus électoral. Honorables députés et chers collègues, distingués invités, répondre aux impératifs de lutte contre la pauvreté et de garantir la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo demeure un défi majeur pour le gouvernement de la République. En effet, la République démocratique du Congo dispose de grandes étendues de ressources forestières et de terres arables, ainsi qu'un vaste réseau hydrographique avec une variété de ressources halieutiques. Elle a donc vocation à garantir sa sécurité alimentaire. En dépit de l'adoption par le Parlement, suivie de la promulgation en décembre 2011 de la loi fixant les principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, notre pays est encore loin de réduire la pauvreté et de garantir la sécurité alimentaire. L'absence de mesures d'exécution de cette loi, notamment les mécanismes de financement du secteur agricole, n'a pas pu permettre d'atteindre les objectifs poursuivis par cette loi. J'encourage donc le gouvernement qui, pour la première fois, a pu revoir à la hausse les crédits alloués au secteur agricole, à poursuivre les réformes nécessaires afin que les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture soient non seulement porteurs de croissance, mais aussi un pilier principal de la sécurité alimentaire et dans la lutte contre la pauvreté. Au cours de la session qui s'ouvre ce jour, l'Assemblée nationale va examiner et adopter deux importantes initiatives législatives consacrées aux principes fondamentaux relatifs à l'élevage, à la pêche, à l'aquaculture, afin que ce secteur soit effectivement porteur de croissance et joue un rôle majeur dans la sécurité alimentaire et dans la lutte contre la pauvreté. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, il vous souviendra qu'avant d'aller en vacances parlementaires, les deux chambres du Parlement avaient adopté la loi portant habilitation du gouvernement en vue de lui permettre de prendre par ordonnance-loi les mesures nécessaires à la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu et à la ratification de deux accords commerciaux et d'un accord pour la protection réciproque des investissements. En application des dispositions de l'article 129 de la Constitution, le gouvernement vient de déposer le projet de loi de ratification prise dans les matières ouvertes par la loi d'habilitation. Compte tenu des délais contraignants qu'impose la loi d'habilitation, nous allons les examiner en procédure d'urgence. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, en plus de la mission législative et de contrôle, le Parlement doit s'assurer également du suivi de la mise en œuvre de nos engagements internationaux. À ce sujet, au cours de la réunion du Conseil des ministres du 17 septembre 2021,
le président de la République a, dans sa communication, annoncé une mission d'audit sur les systèmes d'aviation civile de la République démocratique du Congo, qui sera diligentée par de l'aviation civile internationale, et a exigé du gouvernement des mesures destinées à satisfaire aux normes internationales en matière d'aviation civile. Cette mission va notamment procéder à l'évaluation du respect de nos engagements internationaux en matière d'aviation civile et de la mise en œuvre des recommandations formulées au cours des précédentes missions d'audit au niveau tant législatif, technique, organisationnel que des infrastructures dans le domaine de l'aviation civile. C'est dans ce cadre que l'Assemblée nationale examinera en première lecture, au cours de cette session, la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 10/014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile en vue de l'adapter aux normes et pratiques recommandées par l'OACI. Nous examinerons également en seconde lecture 6 instruments internationaux relatifs à la sécurité et à la sûreté de l'aviation civile internationale, déjà adoptés par le Sénat. Toujours dans le cadre de la mise en œuvre de nos engagements internationaux, spécialement en matière de lutte contre le terrorisme international et le blanchiment des capitaux, l'Assemblée nationale va examiner au cours de cette session les initiatives législatives ci-après. Proposition de loi portant lutte contre le terrorisme. Deux propositions de loi portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Trois, plutôt projet de loi portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Trois, projet de loi portant autorisation de la ratification de l'accord d'admission de la République démocratique du Congo en qualité de membre associé du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale. Dans le domaine de la coopération judiciaire, l'Assemblée nationale va examiner des projets de loi portant autorisation de ratification de deux conventions bilatérales relatives respectivement au transfèrement de personnes condamnées et à l'entraide judiciaire conclue avec le Royaume de Belgique. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la criminalité transnationale organisée, nous examinerons les projets de loi modifiant et complétant le code pénal en vue de la lutte contre la traite des êtres humains, particulièrement les filles et les enfants. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, avant de terminer ce chapitre législatif et au nom du bureau, je voudrais féliciter tous les honorables députés nationaux qui ont déposé leurs propositions de loi jugées recevables et les rassurer que celles-ci feront progressivement l'objet d'un examen au cours de la présente session.
pour les collègues dont les initiatives législatives n'ont pu être jugées recevables pour l'une ou l'autre raison. Je les félicite également et les encourage à procéder à la relecture de leurs initiatives en tenant compte des exigences de la Constitution et des recommandations leur formulées. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, au cours de chacune de nos sessions parlementaires, nos compatriotes attendent de leurs élus l'exercice de contrôle parlementaire de la gestion des affaires publiques, avec responsabilité et dévouement, afin de veiller à ce que le gouvernement assure la sécurité, leur autosuffisance alimentaire, leur accès à l'eau potable, à l'électricité, aux soins de santé de qualité, améliorer la qualité des infrastructures socio-économiques de base, la gouvernance des ressources naturelles et assure la répartition équitable des richesses et l'utilisation optimale des ressources dans le budget de l'État et, en définitive, améliore leur vécu quotidien. De leur retour des vacances parlementaires, les honorables députés se sont montrés très critiques envers les bureaux au sujet de leurs initiatives de contrôle parlementaire. Et souhaitent exercer pleinement leurs prérogatives en matière de contrôle de l'action de l'exécutif. Votre bureau vous a entendu, chers collègues. Il veillera à la programmation systématique, chaque mercredi, de vos initiatives de contrôle, jugées recevables, afin de permettre l'exercice de vos prérogatives constitutionnelles. Loin d'être perçu comme un acharnement politique sur le gouvernement ou les gestionnaires du portefeuille de l'État, le contrôle parlementaire est un exercice normal en toute démocratie. Il permet à ces derniers de rendre compte devant les élus nationaux de la gestion des affaires publiques et des entreprises et des établissements publics dont ils ont la charge. En effet, les Congolais apprécieront le travail de leurs élus, non pas par le nombre élevé d'initiatives de contrôle, mais plutôt par des réponses correctives et concrètes qu'ils formuleront en termes d'amélioration de la gouvernance et du vécu quotidien des citoyens des suites de ces contrôles. C'est cela qui renforcera la confiance de nos compatriotes vis-à-vis de leurs représentants que nous sommes. Ainsi, les honorables députés nationaux feront usage en toute responsabilité de moyens d'information et de contrôle mis à leur disposition par la Constitution et notre règlement intérieur, en vue de l'évaluation de l'action menée par le gouvernement et les gestionnaires des entreprises publiques
des établissements et des services publics dans les domaines de leurs compétences respectives, au fait d'améliorer la gouvernance et de répondre aux aspirations profondes du peuple congolais. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, toujours dans les domaines de contrôle, il vous souviendra qu'à l'occasion de l'examen et du vote du projet de loi de finances de l'exercice 2022, du projet de loi portant reddition des comptes de la loi de finances de l'exercice 2020 et du projet de loi de finances rectificatives de l'exercice 2021, l'Assemblée nationale avait adopté une série de recommandations que votre bureau avait transmises au gouvernement et aux régies financières en vue de l'amélioration de la gouvernance financière et de la mobilisation des recettes. En exécution de l'une de nos recommandations, nous saluons la décision prise par le gouvernement de la République d'exprimer la taxe RAB. Honorables députés, chers collègues, honorables députés, chers collègues, distingués invités, dans le cadre de la mise en œuvre de l'ordonnance portant proclamation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, tel que prorogé à ce jour, notre commission défense et sécurité avait procédé à l'audition de membres de notre gouvernement. À l'issue de l'examen du rapport de cette commission, l'Assemblée plénière a adopté des recommandations que le bureau avait transmises au gouvernement de la République en vue de l'amélioration de la gouvernance sécuritaire. Au cours de la présente session, nous procéderons tant à travers les commissions concernées qu'en plénière à l'évaluation sans complaisance de la mise en œuvre effective de toutes les recommandations par les membres du gouvernement, les régies financières et les structures étatiques concernées. Par ailleurs, dans le cadre du contrôle budgétaire et en application des dispositions de l'article 110 de notre règlement intérieur, j'invite instamment la Commission économique et financière et de contrôle budgétaire à élaborer et à soumettre au bureau de l'Assemblée nationale son calendrier de contrôle de l'exécution de la loi de finances de l'exercice 2022. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, lors de nos débats consacrés au projet de loi de finances et au contrôle parlementaire, l'Assemblée nationale a toujours accordé une attention soutenue à la gestion durable des ressources naturelles. En effet, au cours de la présente session, l'Assemblée plénière avait adopté deux résolutions portant création de deux commissions d'enquête parlementaire, portant respectivement sur la gestion et l'exploitation de nos ressources minières et forestières et de nos terres arables. Ces commissions d'enquête
Afrique comme ailleurs. Comme vous le savez, la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo suscite de nombreuses préoccupations en cette période de COVID-19 et surtout dans les parties est de notre pays en proie à un activisme de groupes armés et terroristes. Dans le cadre de nos prérogatives constitutionnelles, en plénière ou à travers notre commission des droits de l'homme, nous procéderons à une évaluation périodique de l'état des droits de l'homme en République démocratique du Congo et de la mise en œuvre de nos engagements internationaux à la matière. En outre, parce que la loi organique portant institution et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme nous y oblige, nous examinerons les rapports annuels d'activité de cette institution d'appui à la démocratie afin d'évaluer l'état des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Dans le même chapitre du contrôle des activités des institutions d'appui à la démocratie, comme à l'article 28 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, nous y oblige, l'Assemblée nationale va examiner les rapports annuels d'activité de la CENI. En conséquence, j'invite les deux bureaux des institutions d'appui à la démocratie à déposer rapidement leurs activités au bureau de l'Assemblée nationale afin de permettre à notre Chambre de remplir le devoir que lui impose leur loi organique et notre règlement intérieur. Honorable Président du Sénat et estimés collègues, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables députés, chers collègues, distingués invités, faut-il rappeler que l'hémicycle dans lequel nous avons l'honneur de siéger et qui rassemble les représentants du peuple congolais a pour vocation de servir l'intérêt général. C'est cet intérêt général qui doit nous guider tous dans l'accomplissement de notre tâche au sein de cette institution. Les préoccupations de nos concitoyens sont nombreuses et connues de tous. Notre seule mission est d'œuvrer à les rencontrer à travers les missions que nous confère la Constitution et notre règlement intérieur. C'est ce à quoi nous sommes engagés. C'est ce à quoi je vous invite. Tâchons de nous hisser à la dignité et à l'exigence de notre noble fonction. Nous devons donc rester déterminés à poursuivre avec dévouement le mandat de représentation du peuple congolais, car seule sa satisfaction et son bien-être doivent prévaloir sur nos intérêts individuels. Avant de terminer mon propos et en application des dispositions de l'article 137 du règlement intérieur, j'exhorte les honorables députés nationaux à déposer au bureau de l'Assemblée nationale les rapports sanctionnant la fin des vacances parlementaires afin de leur exploitation par une commission spéciale et la transmission de la synthèse des principales préoccupations et recommandations de vos bases respectives au gouvernement et aux autorités compétentes
pour des mesures appropriées. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, fructueux travail à chacune, à chacun. Sur ce, je déclare ouverte la session ordinaire de mars 2022. Je vous remercie. Il fait justement ses ovations ici au palais du peuple dans la salle de congrès, donc ici où se retrouvent les députés nationaux réunis à l'occasion de la cérémonie solennelle d'ouverture de la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale pour la session ordinaire de mars, ce mardi 15 mars 2022, donc au Palais du Peuple. C'est parti pour trois mois de la session ordinaire de mars 2022 ici à l'Assemblée nationale. Après trois mois de vacances parlementaires achevées par les députés nationaux, le président de la Chambre basse du Parlement qui vient justement d'exhorter les députés nationaux à déposer leur rapport sanctionnant leurs vacances parlementaires, même si ces vacances parlementaires justement ont eu droit quand même à un rapport. Autrefois, nous avons suivi le GEC, c'est-à-dire groupe d'études sur le Congo, qui a affirmé que dans un rapport, la plupart des députés nationaux ne séjournent pas dans leur circonscription respective. Voilà pourquoi le président